Eh bien bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo sur Ghost. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas posté de vidéo et je vous avoue que ça fait à peu près 1 heure que je suis sur le montage de cette vidéo. Et entendre ma petite intro, la petite musique de mon intro m'a fait du bien. Alors pour ceux qui me suivent, ils savent pourquoi j'ai fait une longue période sans vidéo. Pas que j'avais pas envie d'en faire ou que j'étais démotivé de faire des vidéos sur YouTube, c'est complètement con. Tout simplement, vous le savez, la vie m'a pas épargné fin septembre et j'ai pas envie de revenir dessus. Il y a une vidéo qui s'appelle 100 mots que j'ai fait exprès pour vous tenir informé. Et j'ai pas du tout envie d'en parler. Tout simplement, ça reste quelque chose de trop délicat, trop dur et privé, entre guillemets, même si je vous ai fait partager la nouvelle. Je préfère ne pas en parler, par contre ce que je vais revenir c'est sur le soutien que vous m'avez accordé. Je m'excuse si le commentaire serait un peu bizarre, tout simplement ça fait longtemps que j'ai plus commenté et que je peux perdre mes mots de temps en temps, donc je m'en excuse d'avance. Je sais que vous m'entendrez par ailleurs parce que vous êtes super gentil, mais je voudrais revenir sur ce soutien accordé suite à la vidéo 100 mots. Et je vous invite à aller voir si vous n'êtes pas au courant ou si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Donc j'ai plus posté de vidéo depuis fin septembre. Cette vidéo est arrivée en octobre, 100 mots, quelque peu inhabituel suite à une mauvaise nouvelle. Et j'ai reçu énormément de soutien de votre part. Donc j'ai reçu, je crois que c'est plus de 1000 messages. Je n'ai répondu à aucun de ces messages, tout simplement parce qu'il fallait que je m'occupe de moi, de ma famille, ma femme, et je n'ai pas répondu à ces messages, mais je les ai tous lus, ils m'ont tous, entre guillemets, aidé, oui, entre guillemets, aidé, et je voulais évidemment, premièrement dans cette vidéo, vous en remercier, parce que vous n'êtes pas obligé de faire ce soutien, vous n'êtes pas obligé de me suivre encore maintenant, vous n'êtes pas obligé encore, actuellement, je reçois facilement 2 ou 3 messages par jour. Vous me demandez comment ça va, certaines personnes auxquelles je réponds, parce que bon, vu le temps qui passe, ces personnes continuent à me demander comment ça va suite à leur situation à eux ou leur vécu, et me donnent entre guillemets des indices pour aller mieux. Et un de ces indices, c'était évidemment de recommencer les vidéos sur YouTube. Pourquoi? Mais parce que c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose qui me prend du temps, donc forcément qui m'occupe l'esprit. Eh ben, me revoilà. Me revoilà. Alors, on va essayer de retrouver, entre guillemets, la bonne humeur dont j'étais. Vous étiez content en général d'avoir une vidéo de moi, pas par mes gameplays exceptionnels ou des choses comme ça, tout simplement parce que j'avais une bonne humeur qui vous plaisait bien. Donc, on revient sur Ghost. Ghost, je vais vous en parler 2 minutes. Bah, je vais vous en faire une seule phrase. Je n'aime pas Ghost. C'est con, mais je suis pas fan. J'ai toujours été fan des Call of. Pourquoi? Parce qu'il y avait, on pouvait avoir du répondant dans les Call of. C'est-à-dire que suite à un déplacement ou un jump ou un retournement bien contrôlé, on pouvait s'en sortir. Dans ce Ghost, la vie est tellement diminuée qu'une fois que vous êtes touché, vous êtes mort. Et c'est ça, c'est le jeu n'est pas mal, hein, attention, je dis pas, hein, il y a des gens qui adorent ça. Les gens qui adorent jouer en hardcore vont adorer ce Ghost, parce que bon, 3 balles, on est mort. Peu importe la distance, c'est sien. C'est un peu exagéré pour ma part, mais bon, il faut s'y faire. Moi, personnellement, je suis pas fan. Ça, c'est un gameplay qui date au début de sa sortie, parce que oui, j'ai Ghost depuis le début de sa sortie. J'y ai joué très peu, je crois que je suis niveau 18, 19, quelque chose comme ça. Tout simplement parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas avoir de répondant, il faut vraiment toujours être irréprochable, viser après chaque coin, ou alors avoir une connexion qui vous aide légèrement. Moi personnellement, j'aime pas. Regardez là, on meurt vraiment, vraiment, vraiment trop vite. Bon, je vais certainement y retourner un petit peu. Quand je serai un peu plus motivé, je vais essayer de regrouper les membres de la SNP pour rejouer en groupe. Ça me plaira peut-être un peu plus, parce que c'est vrai que je me suis un peu isolé. Je m'en excuse auprès d'eux. Je ne parle plus énormément sur Skype avec eux. Et évidemment, c'est pas très. Ouais, il faut comprendre. Hein. Ils m'en veulent pas, j'en suis sûr. Mais il faudra qu'on se retrouve un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, comme il y aura peu de vidéos de Ghost, comme pratiquement tous les youtubeurs, je sais pas si vous avez remarqué, que ce soit il y a des gros youtubeurs comme Wartek, tu sais, il n'y a pratiquement pas de vidéos de Ghost, tout simplement parce que le jeu est un peu pété. Même Monsieur le V12 essaye de diversifier, donc c'est pour vous dire, le jeu est compliqué. On va dire ça comme ça. On prend moins de plaisir sur ce jeu et il va, à mon avis, vite s'oublier. On va attendre le prochain, voir ce qu'il en est. Moi, je ne suis pas défaitiste. J'ai toujours un avenir. Je pense toujours qu'il y a un avenir Call of. Malgré que certaines personnes disent que Call of est mort. Moi, je n'y pense pas. Je pense pas à ça. Je pense que ça va revenir.
Alors il y aura d'autres vidéos sur ma chaîne, des vidéos aussi de Duel of Magic, un jeu de cartes très stratégique que j'ai un peu geeké ces derniers temps, tout simplement parce que j'ai des problèmes pour dormir, et que ce jeu de cartes est relaxant. Moi j'aime bien, c'est plein de stratégies, donc je vous ferai des vidéos là-dessus. Je ne sais pas encore sous quelle forme je vous les donner, que je vous les donner... comment bien commencer ou bien des parties à haut et low, et low étant le niveau de compétence du jeu. Plus vous avez des low et plus entre guillemets vous avez geeké le jeu tout simplement. Donc il y a plusieurs grades de low, ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que le gameplay est déjà fini. Je vais vous laisser là dessus, j'espère que vous ne m'embrouillerez pas pour une vidéo un peu courte avec un gameplay et une petite killcam de VCX qui joue avec moi au couteau comme d'habitude. Sur ce, je vous fais des bisous et encore merci pour tout votre soutien.